aujourd'hui je suis venu pour soutenir Maxette Purbacas parce que avant tout en fait je pense que la Guadeloupe doit évoluer avec la jeunesse qui est présente. Et depuis quelques années on voit qu'il y a de l'exode. Les jeunes partent en métropole mais ne reviennent pas parce que soi-disant il n'y a pas de place pour la jeunesse. Mais la Guadeloupe c'est une belle île et je pense qu'il y a de la place pour nos jeunes. Au niveau du transport, on voit bien, il y a beaucoup de difficultés. Mis à part un certain réseau central qui a été mis en place qui fonctionne, entre guillemets, tout ce qui est interurbain ne fonctionne pas. Aujourd'hui, Maxette Purbacas est là. Elle nous inspire déjà par rapport à son parcours. Elle nous inspire, nous, en tant que jeunes. Et je ne vais pas vous mentir, son parcours est honorable, rien qu'au niveau de l'agriculture. J'espère arriver là où elle est arrivée. Donc, ce projet en fait qu'on a de restructurer la région, de restructurer la ville de la Guadeloupe, je pense qu'elle devrait passer par Maxette Purbacas. Donc aujourd'hui, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau du transport, il y a vraiment des grandes difficultés. Justement, il y a beaucoup plus de problèmes, donc il serait temps de laisser place à une nouvelle politique. Et je serai là pour soutenir Maxette Purbacas.